Force et honneur, amis hackers, et bienvenue sur Hack TV. Ça va? Je vous ai pas trop manqué? Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à notre cœur de métier, à nous les hackers. Les mots de passe. Parce qu'un mot de passe, finalement, c'est quoi sinon une clé? Une clé qui ouvre les serrures des comptes informatiques. Hé, hey, Roger, cette métaphore, elle est géniale. Bah, un peu comme moi, finalement. Hein. Mais vous êtes tellement sympa que cette clé, vous allez pas la planquer, non? Non! Vous allez nous l'offrir. Bon, pour que vous compreniez, prenons un exemple concret. Voici Ghislaine. Comme la plupart d'entre vous, Ghislaine, elle est sur Facebook. Oh, mais comment trouver ces codes? C'est Ghislaine qui va me les donner. Oui, 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 oui. Ou plutôt son chien. Oh, Flappy, qu'il est joli. Bon anniversaire, mon... Oh, la belle faute. Mon trésor, depuis 2011. Que d'amour. Il est né en 2011. Flappy, 2011. Et bim, cartouche, bingo. Le voilà, le mot de passe. Malheureusement, docteur, tout n'est pas si rose. Beaucoup de petits malins utilisent des mots de passe avec des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Il y en a même qui ont plusieurs mots de passe. Et vous savez quoi? Ils les changent tous les mois. Merci, Roger. Mais plus grave encore, il y en a certains qui utilisent des gestionnaires de mots de passe. Comme le perfide qui passe. Je qui passe. Mais rassurez-vous, les amis, vous n'êtes pas très nombreux à vous en servir. Allez, hacker, c'est la vie. Force et honneur, ami hacker. Oh là là, qu'est-ce que je déchire. Et Roger, je devrais faire du cinéma, non? Oh, amigo. Keep cool.